Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Nous sommes dans Forza Horizon 5 et je fais une petite vidéo rapide pour vous expliquer que l'astuce de vendre la voiture ou d'acheter une voiture sur l'hôtel des ventes pour que les points de maîtrise soient remis à zéro ne fonctionne plus à cause du patch qui a été déployé hier ou hier soir ou pendant la nuit. Je vais vous montrer ça. Avant, quand vous aviez une voiture, par exemple la Pontiac, et que vous dépensiez ici quelques points pour pouvoir débloquer les Super Wheel Spin, et puis vous mettiez votre voiture en vente, si elle était vendue, tous ces points étaient remis à zéro, et si jamais elle n'était pas vendue, les points aussi étaient remis à zéro quand vous la récupériez. Ça, c'est fini. Si maintenant vous débloquez tous ces points-là, et que vous mettez la voiture en vente, et qu'elle ne se vend pas, et que vous la récupérez, tout ceci sera toujours noté et vous ne pourrez donc pas réattribuer des points pour redébloquer le Super Wheel Spin. Et c'est exactement la même chose si vous la vendez. Si quelqu'un vous l'achète, il l'aura dans cet état-là. Et avant, c'était comme ça. Et puis, il y a eu une mise à jour qui a changé ça de façon inattendue. Et chaque fois que vous vendiez une voiture ou que votre voiture n'était pas vendue, tout ceci était remis à zéro et vous pouviez réutiliser vos points pour remonter le Super Wheel Spin. Maintenant, c'est terminé, ça ne fonctionne plus. Donc n'achetez plus de voiture pour les Super Wheel Spin, ça ne fonctionne plus. Et bien voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.